Cocktail TV Show, émission information culturelle et loisirs. Parole, nous remercions pour être ou choisi émission ça. Encore une fois, merci à Rodney Noël qui recevait nous dans Moka Café and Lounge. Et c'est là nous toujours pour nous présenter la prochaine rubrique. Nous allons recevoir Naëli Fanfan pour le premier épisode de la rubrique client qui titrait Beauty and Confidence. Are you ready? We are going to introduce 5 tips about the professional work ethic. So, number one is regarding your dress code. How do you know how long your dress is supposed to be and how long your skirt is supposed to be? There is a rule, an important rule. It is the arm length rule. So if you put your arm on your side as you're standing up and your skirt is shorter than your arms, definitely that skirt or that dress is not appropriate to go to work. Your skirt or dress should be 1 inch longer than your arm as you rest both of your arms on your side. And if you want, at the end I will demonstrate as I'm standing up. Tip number 2. Are you ready? This one is called the touching rule. You are not supposed to touch people in the workplace. The only acceptable places that you are able to touch somebody is from the shoulder to the elbow. So for example, if you are greeting somebody and you're like, hey, hi, how are you doing? You can actually like touch the person or pat the person any areas from here or from the shoulder to the elbow. There is no way you should be like rubbing their back. Hi, how are you doing? Touching their hair. You have to be respectful of their cultural background and you have to be respectful of the professionalism in the work ethic. You are not supposed to touch them any other place and you are supposed to respect their boundaries. Donc, pas main et mounio, simplement, koto ka main et yo, c'est niveau épaule, à coude, ou gen doa salue mounio, ou font main et mounio. Oh, comment yé, qui chan yé, qui jette bagaye. Donc, c'est ça qui est approprié lors du travail. Kounya la, nous prenons passer le numéro 3. Are you guys ready? Number 3. Tips number 3. This one is called the 7-Eleven tips. And what it really means is that in 7 seconds, somebody can judge you 11 different ways. So for example, if you're going to a job interview, from the 7 seconds that you enter the door, they already have an idea about you. This is the way she's walking. She's looking down. Her arms are crossed. Her shoulders are forwards. Or she is nonchalant. She sits down very nonchalant. She throws her paper at the table. So be very, very mindful about the first impression. We call it the first impression. So the first impression is not like 5 minutes afterwards. It's basically the first time, the very few seconds that the person laid their eyes on you. 7 seconds. By looking at you, within 7 seconds, I can judge you 11 different ways. I may be right, I may be wrong, but it is very, very important as you're entering the room, as you're greeting somebody, that you make a very positive and energetic impression so the people can be more welcoming and say like, wow. Hello, welcome. En d'autres mots, rangez corps, rangez figure, rangez posture, rangez gens pour adresser moun lan, gens pour saluer moun lan. Donc présentez tête de façon que moun lan a vraiment vraiment gon idée de vous parce que premier 7 secondes que apparaît là, moun lan déjà font idée de vous. Thank you.
Welcome back. Now we're ready for number four. Number four is about cleavage. Yes, cleavage. I'm talking about this area right here. As a woman, whenever you go to work, your cleavage should not be exposed because it is very offensive for other people. And sometimes we have in the workplace a different gender, like the males and the female can be jealous and the male can be attracted. So as you are going to work, if your dress has a cleavage, if your dress is very, very open and your cleavage is showing and you actually bend down to pick up a paper or to talk to somebody at their desk, and all they're going to be looking at is your cleavage. It's very distracting. So be mindful and wear clothes or shirts or tops that actually cover your cleavage. Let's say you have a dress that actually have a V or a very opening, a big opening in the front. What you can do is put an under top that will actually cover your cleavage. This is very respectful in the workplace, and this is the appropriate way to show yourself so they can respect you. And now we are ready for our last tip of this segment. Tip number five. This one is very important. It's about jewelries, makeup, heels. It's about the overall look. Now, you have to be very, very mindful about the jewelries. You cannot blind the people at your work. It's too much. Too much bling, too many jewelries is not appropriate in the workplace. You cannot have 5, 6, 7 rings and several bracelets and a very, very large bling diamonds and colorful necklace and earrings that are dripping all the way to the floor. So be very mindful of that. Simple is better. Pearls are acceptable, or simple jewelries where the focus is not really on your jewelry. The focus is more on your work ethic, your presentation, and your kindness at work. Now, your heels, make sure you don't wear like the very, very long, large anxious heels, because it is not appropriate. It's too much noise walking down the hallway, and also it is a very distraction. Avoid colorful, bright colorful in the workplace. Depending on where you work, that might be an exception, but the height is very important, and also the makeup. The makeup, this is not a carnival. I know we're already in the season for the carnival, but your workplace is not a carnival. You need to be mindful about the amount of colors and the eccentricity and the dramatic look that you're doing in your job setting. And be mindful that I am talking about the corporate world, office, and if you're a makeup artist, for sure you want to show your talent and skills, but I'm talking about the corporate world, the corporate industry. Your makeup cannot be loud. Your makeup should be simple and professional. And that's all for today. I hope you enjoyed our 5 tips about etiquette on our professional life. And I will see you next week on something very, very interesting. I am so excited, and I will see you every week. And we have so much to share about beauty, confidence, etiquette, makeup, skincare, and so much more. Thank you so much. It was Nayeli with Beauty and Confidence. Jour qui était samedi 30 janvier, la communauté haïtienne a rendu un dernier hommage à Carmelo Monestim, doyen la presse haïtienne dans Sud Floride. C'est dans l'église catholique Saint James qui est dans ville North Miami que y a chanté funérailles potorique haïtien ça qui contribue en pile à avancement diaspora haïtien aux États-Unis. Carmelo Monestim était concepteur, présentateur et producteur première émission radiophonique haïtienne à Miami. Dans l'année 1970, Carmelo fait équipe avec Pierre Mendes Alcindor et Ferdinand Forte pour créer Express Publicité, une émission qui était diffusée sur radio WMBM 1490 AM. Premier épisode là, t'es passé jour qui était 10 juin 1978.
C'était une grande première pour Haïtien Pabo ici à l'époque, qui était content d'entendre créole sur radio dans les États-Unis. Il y a un monde réputé pour vivacité, li, dévotion là, pour progrès peuple. Camilo était faite le 6 avril 1931 dans Gonaïve. Politique a sauvé la ville durant le régime dictateur François Duvalier. Camilo a quitté Haïti dans l'année 1964 pour y aller vivre à New York. Côté l'Itapal ouvert, premier nightclub haïtien. En 1977, il rentre vivre dans Miami avec la famille. C'est là que l'Itapral continue à militer contre la dictature du Valier. Avec un lot de sympathisants et concitoyens haïtiens, tant que Viter Juste et Père Gérard Jean Juste, Camilo tapral bataille tout pour droit immigrants illégaux haïtiens pour que le gouvernement américain te baille statut légal. Après plusieurs années de passion, de dur labeur et de persévérance, doyen t'es parti pour pays sans chapeau, jour quitté 16 janvier 2016 là. Dans vendredi 29 janvier, plusieurs personnalités, dignitaires, fanatiques, amis, collègues, membres Haitian American Forum, famille et petite Lio, t'es rassemblé dans notre Miami Senior High School pour yo te célébrer la vie comme mon estime. Pour yo te célébrer la vie comme le mon estime, yon haïtien qui te gagne en pile vision pour pays li ak communauté li. Parmi moun qui te prend la parole, te gagne commissionnaire Jean Mon Estime qui c'est tout président commission contre Miami Dade, maman média haïtien tant kou Patrick Eliancy, Leslie Jacques ak Alex Saint-Surin, moun qui te travaille ak doyen dans divers domaines. Ou qui tes en milite en cours Dr. Grégoire Eugène, Jepsi Metellus, Ganina Vin, Philippe Brutus ak Pierre Mendes Alcindor, yo tout te rendent yon hommage bien mérité à Carmelo Monestime qui te consacré toute la vie pour bien-être haïtien pareil yo. Semaine ça, dans la rubrique Film and Television, n'a parlé d'un feuilleton télévisé qui produit par cinéaste haïtien Mora Etienne Jr. Mora choisit une expression créole que yo utilise en pile la kainou comme titre feuilleton ça. Marozo. Histoire Marozo a déroulé en Floride et en Haïti. Il racontait la vie plusieurs personnages qui symbolisaient la vie citoyen haïtien dans le quotidien. Yo. Film ça qui mettait en vedette Huberman Saint-Il, Sophie Desrosiers, Omer Jean, Fernande Gall, Fredeline Charlot, Jenny Deval, Johnny B et Atis Mez, pral fè nou ri, réfléchir, à questionner nous sur réalité la vie nous. Pour lancer feuilleton Marozo, yon présentation spéciale a fait un Alco Cinéma dans Boynton Beach dimanche ça à 5h. Marozo est un feuilleton pour toutes les générations. Marozo, un monde de controverses, rire, pleurs, joie, peine, amour, tristesse. La vie serait agréable, n'était-ce pas les compréhensions des uns et la trahison des autres. Pourquoi aller là? Ma bonne bonbon. Bonbon? Ah, tu fais ou toi avec bonbon là? Bonbon là, pas bon! Pour peindre l'état de la société, ces mauvaises mœurs coutumières, MJI Film et Lens Magique Production présentent Marozo, un feuilleton télévisuel de Mora Etienne Jr. Passez à 10! Laissez droit ton enfant McDonald's! Madame, faut qu'on soumise avec Mario pour pas qu'on douleur malais. Marozo avec Huberman Saint-Il, Sophie Desrosiers, Omer Jean, Fernand Pierre, Fredeline Charlot, Jenny Desvallons, Johnny B et bien d'autres encore. Marozo, avant la diffusion du feuilleton à la télé, venez savourer un résumé de Marozo en grande première le dimanche 7 février à Alco Cinéma, Boynton Beach.
Une des originalités sud Floride là, c'est diversité culturelle différents groupes immigrants. Chaque jour gagne une ambiance, fois littéraire, culturelle, gastronomique, art visuel, concert, théâtre, programme nightclub, bon restaurant, programme dans parc, programme pour tout le monde, grand monde ou bien pour toute la famille. C'est comme ça nous t'est arrivé dans Hollywood Beach côté chaque soir, sorti mercredi pour arriver dimanche, belle ambiance, bol en mer. Tout près Margaritaville Hollywood Beach Resort qui fête ouvert sous A1A1 dans ville Hollywood. Soit ou joignez yon jazz panyol ou soit yon jazz reggae, pop ou bien country music qui a joué pour toute génération et pour toute nationalité. C'est comme ça, dimanche, qui s'est passé là, Couture Funk, un jeune groupe américain très électrisant, t'a créé animation sous plage là. Toujours dans la ville Hollywood, dans le même week-end, puis précisément samedi 30 janvier qui s'est passé là, Classe et Harmonique t'a déposé compas dans Hollywood Live, un nightclub haïtien qui chita dans l'entrée downtown Hollywood. C'est tout la joie crié, que bon vaille mal pour. Bon ti bagay fè, ki kan fè ke fè mou kontè. Se la nan tou sa wap fè, ou men se li vini avan. Program sa ke DJ AG 305 te organize, te fèt pou te ka lanse festivite kanaval yo nan komunite haïtien nan Sud Florida. A peu près 450 moun te fè déplacement pou yo ka krasé stress a travay du dans le pays États-Unis. Thank you.
Rive nan Miami Beach, a ose yon jazz troubadou dirije pa gitariste ou multiple talent Jean Levelt Vital tap kreye yon bel ambyans nan North Beach Benchel. Yon amfiteatre an plein air kote etranje ou te vin apresye pi bel klasik muzik ayisyen yo ke muzisyen a ose yo tap interprete. E bien sur, tan kon nou fèl tout kote nou pase, muzik noua te bien asezonè Miami Beach.
cocktail, TV show, émission information culturelle et loisirs. Parle, nous remercions pour être ou choisi émission ça. Nous allons passer en l'autre rubrique. Nous allons recevoir Kounia et Jay en direct de studio WFAF AM en côté les fêtes sautent pour présenter Info Tropicale sur radio. Hein. Eh bien, et Jay Kounia qui parle banou top 5 Haitian Ben. You're live on Info Tropical, 1580 AM, 12 to 1. Exactly. Every single day, Monday through Friday, 12 to 1. And of course, today, we're live, syndicated with Tele Anakawona with the Cocktail TV show, Top 5, this week. This week on the Top 5 show, Tele Anakawona, Cocktail TV show. Carry me. Page négatif, tout fait démystifier. Tout fait des positifs, avril n'a pas l'idée. Tout ça pas fait ma chaîne, laquelle va figuer. Calotte n'a rassa pas figuer. Nous pas avril, vous bêtisez, n'a pas pensé, pensé. Oui, nous le dérapez. Quand j'en pouvais marcher, pas varger, pas vous bon passer. Je laisse pas mobiliser. Vous pas fini pour nous bêtiser. Oui, tout pourri là, à voler. Pap campé, pap campé pour lumière rouge, pap campé. Pagé a rien qui a bloqué sa route. Pap campé, pap campé pour lumière rouge, pap campé. Pagé a rien qui a bloqué sa route. Pour mettre sauter pour faire même m'en danser carimim. Pour mettre manifester même m'en danser carimim. Pour mettre craser briser même m'en danser carimim. Et il démet bloqué même. Number four this week is Gabelle, that's celebrating their 9th year anniversary. This weekend inside of Mocha Cafe and Lounge, Black and White, Gabelle celebrating their anniversary, Black and White style with Wushel Guillaume in Ecstasy. So let's get into this video with Gabelle. Top 3 this weekend is Harmonique that gave a belle performance last week. Number 3 is Harmonique this weekend that gave a beautiful performance last weekend inside of Hollywood Live. Harmonique is back, as you all know, with the Corpa Festival crew. So let's get into this video with Harmonique. Même si on porte ta télouvrie, ou fait une route cochée, nous t'es promis, juré, craché, que n'a quitté ça derrière. Just let it.
Number two is Class. Class it is baby. Of course, that played last weekend at Hollywood Live with Harmonique. So let's get into this video with Class. It is baby. Les petits femmes ou petits motos préférés par vous à la traca. Moi, plein de gens jaloux et oublé tout doux. Ou beaucoup même qu'on côté ou date. Et puis, waf, salade. Si chérie, moi, qu'aimé ou t'as goût des jeunes en tête. T'as goût yon petit bout de goût. Ou pas yon poyé à doke. Qui pral bon petit sourire. Sans le dire si qu'elle compte. A tout ça, ou à pas en vie. Jolie Miriam, oh, Bete, ça va manifestation là. Les jolies, what up, what's up? Satisfaction vous arrive. Mesdames, ah, mesdames, nous mettons carré. M'observe avec vous. Chantez. Number one, let's get into some compa alert. The buzz this weekend, this week, is a president of the Republic of Haiti, Sweet Mickey, that has a lot of controversy this week because of the carnival that he put out. The carnival is a very controversial carnival, and because of that, all the buzz surrounding the president of Haiti, the carnival that he put out, is so controversial. So we're going to get into a old school video by Sweet Mickey, the artist, before he became president. You tired? One man. Next time I sack pass, I come in. Je suis le monsieur président compa, mais pour qu'on soit un dossier sur monsieur. Ah, monsieur président, la caille, on a un peu monsieur quand même. L'enfin fait ça, on a fait là, mais il faut que je cherche un jeune manger, mais comment c'est grand bon. Parlez-nous, parlez-nous. Parlez-nous, dis-moi, on va aller là. Bonjour détective Rousseau. Ça me régler pour aujourd'hui. Où compte pour qui ça me là? Bah y a pas tout vous soit pensé yo hier non mon frère. On compte ça moi. Pas qu'on a rien dans ça ouais. Où dit mon bail vague et c'est où que chef. Détective bonne journée. Al Michele Matala. Bandit tout temps. Ça dévague, tout le monde marche bien embrassé, mais l'amour à col a tombé. Pas que mon ami derrière, si c'est nous tous ses frères, mais si on a nous en danger, la guerre a été déclarée. Vas-y, les galions qui rivaient, président va pas qu'à déplacer. L'homme se compte qui est pays à marcher, l'homme se compte qui est musique haïtienne à bouger, l'homme se compte qui ça monsieur Racine va faire. Chez quelle émission en forme.
taste of the Caribbean right here in North Miami, where fresh ingredients and your favorite Caribbean spices will delight your taste buds and the service will make you smile, then come on down to Old King Creole Barbecue and Bakery. At Old King Creole, we specialize in three things: good times, affordable prices, and fantastic Caribbean food. So bring the whole family, bring your friends, and remember to bring your appetite for delicious, authentic Caribbean food. Old King Creole Barbecue and Bakery, located at 13695 West Dixie Highway, North Miami, Florida, 33161. Come on down the islands. Sous demande spéciale, on a proprement un segment de Hawking Creole Restaurant, un plat que chef Célestin a préparé pour nous dernièrement. Eh bien, on a proprement un épisode ça et on a fait un pile monde plaisir. Alors, bon appétit tout le monde. Chef Célestin, recette ou un et spaghetti ça et Hawking Creole Pasta semble une recette qui est simple, mais pourtant, il n'y a pas tout le monde qui a fait. Non, son bail qui très simple, mais son pas n'importe qui a fait parce qu'il y a plus le monde besoin pour les gagner thé, c'est plus que ça pour les gagner. T'as couru mettre magui, on mettait absent. Nous même nous pas fait tout ça, parce que nous pas mettait bail ça on a mangé. Mais c'est ça que nous même nous mettait naturel. T'as couru après tomate, ou après oignon, piment douce, ça y est, c'est céleri bail ça nous mettait pour bah mon santé plus. Et on connaît que céleri est bon pour la santé et recette ça que vous proposez à tes spectateurs Cocktail TV pour qui ça vous venez avec une recette pareille, pour qui ça c'est ingrédients ça vous choisir. Bon, on connaît son bagage moun pas acheter santé pas gagner l'argent pour acheter li, c'est ça qui fait nous besoin moun rete en santé, c'est ça qui fait nous dit moun manger naturel. Et ou même c'est ça ou a fait promotion pour lui et brand ou un marque ou un Hawking lui même li fait et l'a fait promotion pour justement manger naturel. Donc nous gagnons un délicieux plat de spaghetti comme nous kawel décoré avec tomate qui lui même tout gagne pile bon composant et vitamines pour santé. Yes, si tout tomate est bon pour prostate et si tout pour messieurs et pour mesdames et tout. Un qui bon pour clean système ou que c'est ça les qu'on dit les naturels les fresh, c'est ça fait nous même nous décider utiliser fresh bah fresh naturel produit même Jean président ou président des États-Unis ou aller aller dans jardin c'est tomate des points c'est piment douce ouais nous même nous pas faire li et c'est ça nous de qu'on manger la caille non. C'était conseil chef Célestin de Hawking Creole Restaurant pour nous mêmes donc bon appétit. Once again, thank you everyone for welcoming us to your home, to your computer, and to your cell phone for another edition of our Cocktail TV show. Nous t'es content avec nous et nous allons rendez-vous l'autre semaine pour une plus belle ambiance et plus information. À bientôt.